cachée. Bonsoir, la villa cachée. Bienvenue pour ce dîner improvisé. Ce soir, c'est moi, Luc, qui est là ce soir pour vous. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner un âge, public. Ouais, vous êtes super motivés. Bonsoir, la villa cachée. Ok, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez tous me gueuler un âge. 1, 2, 3. Ok, j'ai entendu 50, je l'ai réentendu d'ailleurs. Donc, je vais prendre ça. Je m'appelle donc Luc, j'ai 50 ans. Ce soir, c'est moi qui reçois les invités chez moi. Je vais vous demander à quelle occasion je reçois ces invités. Alors, j'ai entendu anniversaire, bar mitzvah. Attendez, alors j'ai entendu un truc là-bas. Tu as enfin eu ton diplôme. Alors, je reçois mes amis, car j'ai enfin eu mon diplôme. Bravo. Ouais. Voilà. Mais je ne reçois pas seul ce soir. Je suis invité à ce dîner ce soir, je m'appelle Alain et j'ai un lien avec Suzy. Son nouveau compagnon. Son grand-père. Partenaire de bowling. Son fiancé. Son chirurgien esthétique. Je suis donc son nouveau mec et partenaire de bowling. Sachant que je reçois avec lui, hein. Donc j'habite là. Pour l'instant. Mais nous recevons d'autres personnes. Et oui, nous sommes nombreux ce soir. Bonjour, je m'appelle Marc et je voudrais savoir le lien familial que j'ai avec... Avec Luc. Non, mais j'hésitais entre les deux. Mais avec nous Luc. Son père. Allez, on se doutait que ça finirait comme ça, donc je vais être, pour le plus grand bonheur du public, son nouveau conjoint. Mais, on va mettre une petite difficulté, tu ne le sais pas. Suzy n'est pas au courant. Oui. Maintenant, elle est au courant. Ah oui. Mais tu sais, comme Suzy a cette faculté de décupler les choses. Tu l'as oublié, voilà. Merci Suzy. Il y a d'autres personnes ce soir, vous inquiétez pas. Bonsoir, je m'appelle Nicolas et je vais avoir un lien avec Marc. Quel est-il? C'est son petit cousin. C'est son frère jumeau. C'est Je suis son frère jumeau. Très bien. Allez, c'est son frère jumeau. Ok, merci. Allez, merci à tous. Bravo, oui. Il y a encore d'autres invités. Je serai la dernière invitée de ce repas de famille ce soir. Et je m'appelle Ludivine. Ludivine, oh, voilà. Ludivine. Je me suis dit que je m'appelais Ludivine. moi aussi, j'ai donc un lien de parenté. J'ai un lien de parenté avec Suzy. Ah. Cousine, la 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 cousine,
qui la suit partout, quoi. Attends, sa belle-mère. Sa belle-mère, donc, la mère de... On a besoin, on va récapituler. Non, mais c'est pas... Récapituler. La belle-mère. Donc, je m'appelle Luc, j'ai 50 ans, c'est moi qui reçois ce soir. Parce que je viens d'obtenir mon diplôme. Et alors, moi, j'ai, quand je reçois des gens, j'ai un petit rituel que je fais à chaque fois que je reçois mes amis chez moi. Et alors, dites-moi, quel est ce rituel ? Un rituel à la table. Un rituel à la table. Ok, donc j'ai un rituel effectivement. Je tourne autour de la table. Ça y est, on a déjà quelque chose, merci. Donc je tourne autour de la table. Et donc je vous rappelle, je m'appelle Luc. Je suis l'ancien mari, du coup divorcé de Suzy. Et je suis bien sûr le petit ami de Marc. Et Paul Gouff. Et Ludivine et ma mère. Voilà. Voilà. Ta mère. Ok, ta mère. Okay. Ouais. Donc je suis Suzy. Je suis l'ex-femme de Luc et la nouvelle compagnonne. Compagne. De Alain. Et voilà. Je suis aussi la belle-fille de Ludivine. Ah, l'ex-belle-fille. L'ex-belle-fille. Mais avant de venir, Alain m'a confié une nouvelle. Laquelle ? Il a mangé le chat. Il est stérile. C'est une femme. Il est stérile. À cause d'un micro-pénis ou c'est chimique ? C'est cadeau. Très bien. Je suis Alain. Je suis le nouveau compagnon de Suzy. Suzy m'a confié qu'il lui est arrivé quelque chose 10 ans en arrière. Qu'est-ce que c'était ? Elle avait une relation avec son... avec sa belle-mère. Avec autre chose. En tout cas, elle m'a dit qu'elle avait été Miss France. Oui, eh ben c'est vrai. Il y a 10 ans. Il y a plusieurs catégories dans Miss France. Miss Courage. Pour Miss Courage. Donc moi, je suis Marc. Je suis le compagnon de Luc. Mais je ne le sais pas. Mais tu ne le sais pas. Je n'ai absolument aucune relation avec toi. Je suis ton frère jumeau. Je vais être un peu ta belle-mère. Tu es au courant, mais tu n'es pas au courant non plus. Mais pourquoi ma belle-mère ? Si, non. Je suis la mère. Tu es sa mère. Mais tu n'es pas. Bien sûr, donc je suis le beau machin. Tout le monde a compris. Ok, tout le monde a compris. Alors, moi, j'ai un talent que toutes les personnes qui me connaissent me reconnaissent, enfin me admirent, apprécient chez moi. Il est au coude. La chanson. Tu sais manger des fourchettes. Je sais manger des fourchettes. La chanson. Ok. Là, c'est méchant. J'aime pousser la chansonnette sur des titres français de première moitié du 20e siècle. Je le regarde déjà moi-même. On regarde ça quand même. Ouais. Ok, j'aime bien pousser la chansonnette. Moi, je suis Nicolas, je suis donc le frère jumeau de Marc. Et puis à peu près le reste, je m'en fous, hein, les autres. Moi, qu'est-ce que je fous là ? Ça sera à déterminer plus tard. Mais avant de venir dans la journée, il m'est arrivé quelque chose. T'as mangé un truc pas frais ? Il a appris que votre père n'est pas votre père. Oh, vous avez été viré de votre emploi. Là, j'ai entendu ici, vous avez été viré de votre emploi. J'ai été licencié.
T'as été licencié ce matin, mais ok, ok. T'as été viré ce matin. Ok. Ok, pour finir, moi j'ai abus sexuel. Pour abus sexuel. D'accord. Non, bah ça va aller là. J'ai été viré pour abus sexuel dans mon emploi. Dans ton emploi. Je m'appelle Ludivine. Je suis la mère de Luc, l'ex-belle-mère de Suzy, la nouvelle plus ou moins belle-mère de Marc. Et quel temps fait-il? Il neige. Et on est en octobre. Il neige et on est en octobre. Ok, c'est un peu tout. Oui, mais c'est ça dépend où. Bah, ouais. Oh, oui. Voilà. Ok, et ben on est bon. Ok, alors on va il nous reste 2 minutes pour préparer tout ça, mais voilà, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Merci, ça va, je vais me débrouiller tout seul. Oui. C'est les verres de notre mariage? Oui, je les ai sortis. Grand soir, hein? Oui, enfin, est-ce que c'est pas un peu too much? Ah bah non, ah bah non. Ça fait tellement d'années qu'on attendait que tu l'aies. Bravo. Merci. J'ai enfin eu ce diplôme. Ah, ça me donne envie là de... Tant pis, De gagner de l'argent, enfin. Je fais un petit tour. Ça sera déjà ça de fait. J'en refais hein, quand même, parce que c'est quand même... Diplôme. Ah, j'ai bossé dur. Ah oui. Oh, oui. Tu oublies tout de suite. Tu oublies. Ah non, alors là je t'arrête tout de suite. Alors là,
J'aime autant te prévenir. Tu peux mettre la vaisselle du mariage si tu veux pour essayer de me. Mais non, ça, non. Là, je suis passé à autre chose. Mais alors, tu peux même pas t'imaginer à quel point je suis passé à autre chose. Mais c'est bien. Ouais, ouais. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, vraiment. Je te sers un verre d'eau. Oui, pourquoi pas. Ah mais maintenant que tu as les moyens, je te sers un verre de vin. Boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Ah, non, non, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va. Décoince-toi. C'est fou d'ailleurs que ça n'ait pas, tu vois, passé sur toi. Que... Ouais, non, pas du tout. Et c'est mon angoisse d'enfance. Je suis tellement content. Quelle soirée, il a eu son diplôme. Ah, ouais. c'est bon, je suis content. Je suis content. J'ai entraîné 1952. Oh là là, c'était beau. Et pas de conneries ce soir, hein? Oh, ça va. Je fais jamais de conneries. Non, mais tu te souviens la dernière fois? Arrête, tu te souviens? Oui, mais la dernière fois, j'avais trop bu. Là, je vais me retenir. T'inquiète. De boire ou de dire n'importe quoi? Non, je vais boire un peu. Mais je vais... qu'un peu. Tout de suite. Ah, bah j'ai envie de voir ton nouveau mec. Ah, ça fait faire du changement. Tu pourrais me le piquer? Non. Allez, détends-toi, va. Non, c'est bon. Ça, tu devrais essayer. L'essayer quoi? Non, pas l'essayer, essayer. Essayer les... Mais essayer autre chose, essayer les relations homosexuelles. Non. Je vais essayer le quad, je vais essayer le golf, tiens, mais... Tu me fais penser à... Arrête de pousser comme ça! Ça va, je suis un peu tactile, je vais me toucher moi, tiens. Tu sais, il était comme toi, Luc, au début. Il est démarré. Ah, tu l'as fait... Ah ben, complètement retourné en situation. Ah mais oui, c'est vrai qu'il était avec Suzy. Bah oui, t'es avec Suzy. Celle-là, elle a complètement disparu de sa vie. C'est ah fou, ouais il a fait une croix dessus, mais dingue. Il la voit plus? Il ne voit plus du tout. Du tu tout. Vois. Il l'a associé à ses études. Tu vois, le début de ses études, hein, quand il avait 24 ans, qu'il a commencé mal. Mais, c'est des chèques. Non, ouais. ça, non, ouais, c'est pas un sujet forcément. Non, de ce soir, c'est la fête. Non, ouais, on va quelque pas parler... Quel que soit le temps que ça lui a pris. On parle pas boulot, pas études, pas échecs. Et on parle pas de Suzy, du coup, s'il ouais, te plaît. Et pas de... Parce que je le sens un peu... Ouais. 26 ans 26 ans de mariage à t'entretenir. 26 ans à travailler pour que tu sois bien. 26 ans à ne pas avoir d'enfant parce que monsieur a fait des études. Monsieur a besoin de temps pour... prendre racine et s'élever. 26 ans à trouver sa voie, 26 ans. Je sens comme une petite pointe de jalousie quand même. Pas du tout. Bon. Oui. Oh. Allô? Luc? Oui? Mon petit chouchou? Oui? Ouais, c'est juste pour te dire que, ben, là, mon Solex, il a encore eu un peu, enfin, tu vois, il a eu un peu une couille, quoi. Donc, puis en plus, Pépette était dans son panier, puis elle a sauté, puis après, elle était redans son panier, enfin, bon. Maman, les gens, enfin, il faut que tu t'en sépares de Solex. Enfin, je veux dire, les gens n'utilisent plus de Solex. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai fait sa révision la semaine dernière, il est impeccable. Tu bon, trouves encore des mecs qui te font la révision d'un Solex? Bah, bien sûr. Chez Gino. En bas de chez moi, le garage. Okay. Bon, tout ça pour dire, mon petit chouchou, que je vais arriver un peu en retard, hein. Comme d'hab. Ouais, t'inquiète. Et puis, collez pas trop sans moi, hein. Allez, arrive. Bouh, bouh. Bouh. Ma mère sera à la bourre. Oh mince! Je sais que t'as jamais pu la piffer, mais. Ça, c'est pas vrai, ça! J'ai toujours apprécié ta mère. Et je l'apprécie de plus en plus. Ah,
T'as trouvé des pistes pour te loger ou... Non, pas encore. Mais comment, c'est moi qui payais les traites pendant 26 ans. Je me dis que bon, je peux peut-être gratter encore quelques années. Ça va, on aura compris, oui. Ben maintenant, c'est différent. J'ai eu mon diplôme. Oui. Et un emploi ? Eh ben écoute, je vais certainement être employé dans l'usine dans laquelle j'ai fait mon dernier stage. Ah bah super, très bien. À 50 ans, c'était inespéré. Oui. Ouais, cette petite usine de claquettes dans laquelle j'ai fait mes premières armes. C'est grâce à eux que j'ai eu mon diplôme. Et te voilà DRH maintenant, c'est ça ? Ouais, non. Enfin, pas encore. Aux ressources humaines. Pas encore. Mais ça va pas tarder, ouais. DRH de Claquette & Co. Oh ! Je vais faire un petit tour de table. Yes ! Yes ! Luc, tu vois, c'est beaucoup plus pratique que je reste un petit peu encore. Ouais, les gars, ouais, pas de problème, ouais. Ouais, je vous rejoins, ouais. Ouais, on a un diplôme à fêter, ouais. Ouais, j'ai promis à Luc que je passerai. Tu sais, lui, il fait ça à l'ancienne. Ah, non, il va pas sortir avec nous, non. Non, et puis, tu sais, il y a Suzy aussi. Elle est là-bas. Je savais pas, c'est son ex, mais... Mais elle envoie, la Suzy, hein. Elle envoie. Donc, je vais d'une pierre deux coups, quoi. Ouais, je vous rejoins après, ouais. Je passe vite fait, ouais. Puis après... Après, on envoie du lourd! Hey! À tout à l'heure! Bisous! C'est plutôt pratique que je reste là parce que j'ai d'autres choses à entretenir. J'ai besoin d'argent. Enfin, tu sais, je suis avec quelqu'un et... Il a du mal à joindre les deux bouts. Ah, bon, bah, ça m'étonne de toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est un loser. Enfin, c'est une question. Tu permets de juger. Ah, bah, non, je ne le connais pas. J'imagine que tu l'as invité. Ah bah oui. Il te connaît. Il t'a vu à l'université. Je t'ai décrit et tu... Il t'a vu. Bling bong. Ouais, YMCA. Oh, mon chéri. Hey, salut. Voilà, donc je te présente Suzy. Bon, écoute, on va y aller en douceur. Je ne lui ai pas encore. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu bafouilles? C'est pas bon signe quand tu bafouilles. Elle habite encore un peu là. 7 jours. Pas. Sur 7. Mais c'est provisoire. Elle vient de me dire qu'elle avait un nouveau compagnon. Qui assure un max et qui va pouvoir... Grand fou, et je m'en fous. S'il te plaît, laisse-moi juste un peu de temps, enfin, pour pas... Je veux pas la brusquer, enfin, tu vois. Enfin... Arrête. Ok. Suzy, une tarte aux prunes. J'ai amené une tarte aux couettes, ce sont des couettes. C'est adorable. C'est pas pareil que les... Je te présente Marc. Marc, très bien. Bonsoir, Suzy. Bonsoir. Voilà, Marc, Suzy. Suzy qui... Attendez, je vais la garder, s'il vous plaît. Je suis la femme de Luc. Enfin, de l'ex-femme. Ah, tu es mariée. Ah, l'ex-femme. Oui, oui, nous sommes séparés. Depuis peu. Bon. Salut. Oui, du coup, vous êtes... Excuse-moi. Je suis venu du coup, avec... Du coup, je suis son frère. Tu m'avais demandé... c'est dur de... Hein, oui, là, du coup, je m'en étais... À part les lunettes, hein. On a hésité à te faire la blague en arrivant. J'ai dit non, Iris a déjà se déplacer. Ouais, voilà. C'est ça quand tu déplaces. Moi, je vais mettre ça dans la cuisine. Ah, je vais la déplacer moi-même. Ça te salue. Est-ce que je. Peut-être un petit verre en attendant les autres ? Oui. Non.
Oui, oui, oui. Oui, ça va aller. Bah, tu... Ouais, voilà. Tu sais, ça monte. Hein. Merci. Marc. Eh ben ouais, vas-y. Et donc, Marc, vous connaissez Luc comment? C'est une table en verre. Parce que là, du coup, on le voit. Ah oui. C'est lui, il te baigne dans la cuisine. Ah, ok. Je réitère, comment vous connaissez Marc? Eh bien, j'ai connu Luc. Comment est-ce que je suis censé t'avoir connu, moi, du coup? J'ai connu Luc à l'université. Il y a une dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années. L'université est le lieu de toutes les rencontres. Ah, bah oui. Apparemment. C'est bien. Plus vous frottez, plus ça fait des traces de doigts. Enfin bon, on sait tenir son intérieur ou pas. Hein. Mais vous habitez pas là, de toute façon. Ah, si. Ah, d'accord. La cuisine, c'est. C'est chouette. Ah, c'est là. Je vais prendre un petit verre aussi. C'est avec vous. Je vais trinquer à. Je vais peut-être refaire un petit tour de table, mais dans l'autre sens. Allez, vas-y, oui. Je le ferai quand je serai là. J'arrive. Viens là, Gustave. Là. Il court, le vieux. Je vais pas pouvoir tenir la soirée comme ça. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle tienne très longtemps. Je pense qu'elle va vite. Elle va vite trouver un endroit. Et de toute façon, on peut à peine se voir. Enfin, on ne supporte plus. T'inquiète pas. Et quoi que je m'inquiète pas, mais tu rigoles ou quoi? 7 jours sur 7, tu vis avec ton ex-femme. Enfin, tu vois bien qu'il n'y a absolument plus rien. Je vois rien du tout pour l'instant. Je vois une femme. Entre toi et moi, je vois une femme. Justement, tu vois une femme. Et moi, c'est l'homme que je veux voir. Et moi, je ne vois plus les femmes. Depuis que je t'ai rencontré, je ne vois plus les femmes. Tu le sais. Enfin, je te l'ai assez dit. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. J'adore quand tu chantes. C'est ça qui m'a fait craquer, hein, direct. Oui, bah, c'est mon fils. Fils? Ah bah ouais, je sais qu'on dirait pas comme ça, hein, mais... Ouais, vous êtes vachement bien conservé. Ou alors, il est vachement jeune. Non, il est vieux. Hé, avant que je rentre mon fils, j'aime pas que dire ça, mais... T'as de la beuh? Ouais, c'est ça. Ok. On s'en roulant sur la terrasse à l'heure. Bien, tranquille. J'ai mon petit cendrier planqué. Tu sais qu'il neige dehors. Il faut pas sonner. En plein mois d'octobre. Ah. Eh ben, salut les petits chouchous. Maman. Hey. Allez, rentre, mon garçon. Luc. Hey. Mais vous avez pas froid, habillé comme ça? Hey, bonjour. Ah, oui. Ça va bien? Oui. Le soleil, c'est pas de problème? Non, Pépette, tu restes dehors. Non, Luc, il veut pas. Allez, dehors. Luc. Allez, hop. Ah bah non, je sais qu'il veut pas. Et comment tu fais avec ton chien sur le Solex? Bah dans le panier. Oh là là, mais... Solex avec un panier. Mais c'est Gino qui m'a retourné ça la dernière fois, oh là. Tu sais que tu peux enlever ton casque là, maman, tu crains plus rien. Bah ça va. En plus, ça doit être super dangereux le Solex là, avec la pluie et tout, bah, ça, surtout, enfin, la neige. Dis pas merci pour la bouteille de vin. Oh bah j'en ai vu d'autres, hein. Ah, c'est adorable. Bah elle est toujours pas bonjour, on dirait celle-là. Bonjour. Allez, Suzy. Ah. Merci. Ça va, tout va bien. Et pas de rancœur, hein? Non, pas de rancœur, non. Je vous en ouvre une. Bah ouais. Installez-vous, lui, Divine. Deux même. On va boire une petite bière avec la dame, là. Ah, maman, tu vas boire une bière? Oui. Oh, moi, si t'es un petit blanc, je dirais pas non. Je te présente quand même, parce que... Mais on se connaît. Ah. Oui, présente-moi. Ah non, tu lui aussi, il étudie à l'université. Il a dit, oui, voilà, dans la même alors, université. Oui, elle m'a dit que je t'avais croisé à l'université, mais ça me... Et donc... Ça ne me dit rien. Eh ben, Alain. Alain, c'est mon... Partenaire de bowling. Voilà. On m'envoie des boules dans les quilles. Voilà. Oh. On fait des strikes. Oh, il est très fort en strike. Oh, c'est... Oh là là. Les strikes. J'ai entendu parler de boules. Bonjour madame.
bonjour. Moi, c'est Ludivine. Et puis, puisqu'on parle bowling, bah, c'est la petite sortie que j'ai faite à l'amicale la dernière fois. Hein. Ah, ben, bah, on est allé au bowling, je peux vous le dire que je leur ai mis une raclée. C'était vous, piste 7. Oh là là, vous y êtes du bruit, hein. Où tout le monde criait, Ludivine dans mon équipe, Ludivine dans mon équipe. Maman, tu sais, il faut que tu te ménages un peu. Enfin, je veux dire, le bowling, à ton âge, le Solex, tout ça. Tiens, je vais t'enlever ça. Eh oh, moi j'ai fait 68, ok. Alors c'est pas une petite piste de bowling qui va me... Bah, il me sort même pas mon petit blanc. Bah, ouais, quand même. Vous venez souvent ici, du coup? Oh, bah, tu veux les clés? Une fois de temps en temps, quand tu veux bien. Quand il veut bien, mais vous avez les clés. Eh ben rien. Vous voulez bien souvent aussi, vous. Les clés sont presque rouillées, tellement je m'en sers pas. Mais bon. Il veut plus vous voir. C'est pas qu'il veut pas me voir, c'est que voilà, après avec mon fils, on n'a jamais été non plus collé-collé. Hein. C'est jamais trop tard, vous savez. Moi, j'ai jamais connu mon père. Je pourrais jamais, au grand jamais le retrouver. Vous, vous avez cette opportunité-là. Bah, une fois ou deux, il m'a dit, ouais maman, dans l'enfance, t'aurais pu rester un peu avec moi au lieu d'aller faire tes week-ends moto. Bah, je lui ai dit, oh mon fils, je lui ai mis une grande claque dans le dos, c'était bon. Vous croyez que c'était suffisant? Ah, bien sûr. Non, ça ne l'était pas. Je vais aller faire une petite visite. Vous savez, Ludivine, je me suis posé beaucoup de questions sur les études de votre fils pendant des années et des années. Bah, il a mis un petit temps à trouver sa voie. Moi, je suis contente qu'il ait trouvé un jour ou l'autre. Ah oui, bah oui. Mais vous posez jamais de questions sur vous? Bah, une fois ou deux, quand je suis avec Gilo en bas, on discute, quoi, on refait le monde. Ludivine, maintenant que je suis plus avec lui, je peux tout vous dire. Vous allez me dire quoi, ma petite Suzy? Bien, clairement. Il vous aime, Luc. Mais moi aussi, je l'aime, mon minou. Non, mais non, on dit pas ça comme ça. On a toi, j'appelle dit... chouchou, c'est vrai. J'y arrive pas. Si dit, vous avez pas une musique un peu moins chiante chez vous? Ludivine, je pense que clairement, ces longues études, là, ils faisaient des études et des études et des études dans l'espoir de peut-être rester avec vous tout le temps, en fait. Avec sa mère. Avoir besoin de sa mère. Après, moi je lui avais dit de faire sociaux. Il aurait fait sociaux dès le début. Ouais, bah, servez-vous un verre. Attendez, je vais vous servir. Je vais la servir. Je pense que... Un petit blanc? Oui, un grand même. Alors là, c'est plus un petit ballon, hein. Eh ben, je vous connais. Hein? Santé. Et puis tout ça cul sec, évidemment. Non, 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 non. Ah, mais vous connaissez pas Ludivine? Si. Ludivine, on lui sert un verre, terminé. Eh ben oui, c'est bien le problème. Non, 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 Ludivine, allez, on se calme un petit peu, hein. Bon, allez, juste pour ce soir. Merci. Bah là, vous m'étonnez, hein, Ludivine. Et donc, vous avez connu Luc pendant ses études? Oui, voilà. Vous êtes voilà, resté voilà. En contact longtemps, alors, sans que je le sache. C'est bizarre, quand même. Mais enfin, vous-même n'avez pas été très présente ces 10 dernières années, j'ai l'impression. C'est pas faux. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ta femme, ton ex-femme qui fait tomber des choses. Mais vous étonnez que le voisin foute des coups de balai? Bah, Suzy, enfin, détends-toi, on est là. Non, non, ça va, enfin, super. En fait, mon diplôme, quand même. Bah, oui, 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 oui. Ah, c'est une bonne soirée. Ah oui, bonne soirée. Mmh. Très bonne soirée. Et Marc, j'ai fait le tour. C'est pas mal ici, c'est là que tu vas crécher du coup.
Non, c'est-à-dire que j'ai un problème d'appartement en ce moment. Et c'est vrai que Luc m'avait proposé de m'héberger. Il m'a dit qu'il parlait d'un qui claque. Mais oui, c'est moi qui lui ai dit. Bah chouchou, t'as un copain à la rue? Bah non. Bah non, hein. C'est parce qu'on a dit l'abbé Pierre. Tu prends chez toi et t'accueilles. C'est ce que je lui ai dit. Misère. Non, non, mais écoute, il chante. Continue, Marc. Non, son regard moqueur m'a un petit peu bloqué. Non. Ma voix ne vous plaît pas? Non, mais je pensais à Ludivine, quand ta mère était dans la rue, on l'a pas accueillie, on l'a laissée dans la rue. C'est parce qu'elle voulait être dans la rue. Ah, moi, c'est différent. C'est différent, voilà. Et j'avais Bébert. Je pense à Bébert. Non. C'est déjà bien quand tu les chantes, si tu les inventes en plus. C'est ton premier vers là. Celui-là? Je sais pas, je compte pas. Bah compte, s'il te plaît, compte. Ça va, c'est des choses à oublier. Bah, dis donc maman, qu'est-ce que c'est alors? Petit ballon. Je me suis permis de faire plaisir à ta mère. Ouais. Un petit cadeau, hein, ça n'a jamais fait de mal à personne. Merci. Un petit cadeau, ça n'a jamais fait de mal à personne. On n'a dit pas d'invention. C'est à peine un quart de ce que me sert Gino. Sacré Gino. Allez, on fait place. Ah, c'est bien ici. Je crois que c'est les femmes qui mettent la table. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Non, mais rien. Je faisais une remarque. Est-ce que tu penses vraiment que les femmes se sont battues pendant des années pour acquérir leurs droits, pour avoir ce genre de remarque? Peut-être, je sais pas. La... Moi, ouais. Je faisais partie en 68 de celles qui voulaient leur soutien-gorge. Hein. Mais ça, ça me plaît beaucoup, ça. Mais ça, c'est très bien, ça. Moi, je suis complètement pour ce genre de mouvement. Ouais, tout ce qui est soutien-gorge qui brûle, qui sort, qu'on... Bon. C'est étonnant, cette mode hein, de se mettre avec une femme plus vieille que soi. Enfin, Suzy est avec quelqu'un de très jeune. C'est tellement incroyable. J'aurais jamais imaginé ça de lui. Hein. Je veux dire que... Oui, parce que je suis là, mais en fait... Ouais. On dirait que ça minose par là. On n'a pas été présenté. Eh bien, bonsoir. Et alors, comment ça se fait? Alain, j'étais en cuisine. Alain. Bonsoir, Alain. Alain, Masque. Alain. Mais c'est une épreuve de sport? Oui, alors, parce que c'est son frère jumeau. Il m'avait dit. Oui. Du coup, c'est pas facile de les reconnaître quand même. Ouais, parce qu'ils sont jumeaux, ils sont ensemble. Il y a des lunettes. Sans les lunettes, hein. Vrai jumeau. Hein. Sans lunettes. Tiens, d'ailleurs, enlève tes lunettes. Regarde. Marc, je suis là. C'est marrant, on appelle toujours Marc et jamais Nico. Et regarde, parce que alors, c'est fou, parce que si je mets les lunettes. Regarde. Ouais. Et moi je peux aller faire. Waouh! Oh là, ouais, truc avec mon ex-femme! Hein? Ouais, mais pas trop! Non, c'est pour montrer que. Voilà. Ça va! Non, alors. Rends-lui ses lunettes! Oui, ouais, mais rends-lui tes lunettes! Je suis désolé si. Je vais boire quelque chose. Non, ne les enlevez plus! C'est vraiment dégueulasse. Non, premier, je les enlèverai. Plus du tout. Ah oui, parce que là, vous perdez la tête. Dites-moi, Suzy, cette salade a l'air délicieuse. Oui. J'espère, parce que elle a passé l'après-midi à la faire, alors. Ah oui, alors j'adore cuisiner. Vraiment. C'est quelque chose qui me déstresse. Mais, Suzy, j'ai du mal à comprendre... Je veux pas être indiscret. Non, mais bon, vos relations exactes en ce moment avec Luc, là, vous étiez là toute l'après-midi à cuisiner. Oui, bah, voilà. C'est parce que c'est un peu ma maison. Mais vous n'avez pas de chez vous? Bah, c'est mon chez moi. Mais personne n'a vu ma mère là? Non. Si, je crois qu'elle est dans la cuisine. Enfin, ouais. C'est votre chez vous, c'est votre chez vous. Enfin bon. Ah bon? Eh bien, c'est moi qui paye les traites. Sauf que Luc. Enfin, on a du mal à s'entendre sur le fait que... qui doit partir. Non, mais elle est pas dans la cuisine. Il faut la surveiller. Mais elle est sur le balcon, en train de fumer une clope. Sur la terrasse, comme d'habitude. En plein hiver, il neige dehors. Dis-lui de rentrer. Enfin, remarque, non, bah oui, non, elle est pas sur la terrasse. Eh ben, elle est dans le local poubelle. C'est vrai, c'est là que je l'ai trouvé en arrivant. Et ça vous est pas venu à l'idée de la faire monter? Alors si, c'est pour ça qu'on est arrivé. Ouais, moi je veux bien la faire monter.
Ah non, 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 hey, oh, oh, je t'arrête tout de suite, hein. J'ai rien dit. Bien sûr que t'as dit quelque chose. Mais je veux bien l'aider à monter les escaliers parce qu'elle a les hanches un peu. Voilà. Là, tu te calmes là-dessus, d'accord? Il y a eu pas mal d'alertes, tu te calmes. Et oh, toi, tu fais bien des trucs un peu. Hein, donc. Oui. Ah, je me cache pas. Allez-y, je vous en prie. Enfin. Oui. On va peut-être attendre. Vous m'avez peu servi, hein. Enfin, c'est pas grave, mais. Vous en remettez. C'est à ce point-là raté? Non, mais fais la rentrée. Fais la non, rentrée. Je la laisse dehors, je l'avais juste. Tu vas pas sortir toutes les 10 minutes pour. Mais je j'avais oublié son petit bol d'eau, oh là là, mais pas chier. Bon, alors, avant qu'on commence. Une chanson! Une chanson! Non, non, une chanson aussi, une chanson! Un discours! Allez, mon petit chouchou! Un petit discours! Je voulais quand même déjà. Tous vous remercier d'être venus pour fêter donc mon diplôme. Et figurez-vous que pas plus tard que ce matin, j'ai fait j'ai viré ma première personne. Oh, oui. Bravo, 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 c'est formidable. Je vire avec. Alors, j'y suis pas allé de ma morte. Hein. Bon, c'est une histoire d'abus sexuel un peu dégueulasse. Mais bon, après, c'est super facile dans cette entreprise parce que c'est une grosse boîte, donc c'est juste un numéro en fait. Et cette personne. Et donc voilà, je l'ai viré. Mais tu as bien fait, chouchou, tu as bien fait. Oui. Tu as bien fait. Je suis pas peu fier. C'est la lutte finale contre nous et demain. Tu serais pas en train de virer facho, toi, quand même? Non, mais divine, abus sexuel. Bon, c'est d'époque en plus, hein, de devenir facho là. Moi, je vous conseille plutôt cette voie-là. Hein. Moi, jamais ça. Ouais. Moi, j'ai la carte du PC. 2% présidentiel. Et alors? Non, rien. Non, je marque. On bouffe ou quoi? Oui, bah, il y a quelqu'un qui fait bouffe. Je n'ose pas commencer. Oui, attendez qu'elle vous donne le feu vert, ce sera moins risqué. Des pois chiches crus, j'ai jamais vu ça. C'est un plat végétarien. Ah oui, c'est vrai. C'est un délice. Ouais. Vous avez une tête à manger de la viande. Beaucoup trop de viande. Beaucoup trop. Ça se voit, là. Les joues rouges. Mais bah, tout le monde peut pas avoir ce corps d'athlète que vous avez. Hein. Alors, fais des études dans l'environnement. C'est vrai. Le développement durable. C'est très intéressant, ça. Là, on m'en parlait un peu plus. Et le développé couché aussi. Mais enfin, corps d'athlète, il a quoi? Il a 20 ans à tout casser, non? Il a plus. 22. 20 ans. Moi aussi. Le plus beau des âges. J'avance. Il n'y a pas une autre bouteille ouverte? Non, mais ça va. On va faire la salade. À toute manière, on va toutes les coucher, hein. On va l'ouvrir. De toute façon, moi, je mange pas, alors je vais l'ouvrir. Moi aussi, à 20 ans, j'avais un corps d'athlète. Hein. D'athlète, j'étais même pas plus propre. Non, j'en veux pas, merci. Ah ouais, elle est là. Non, j'en veux pas, merci. Non, mais si, Suzy. Ah si, Suzy, vous en mangez aussi, hein. Si. Mais Suzy, enfin. Non. Si, Suzy. Ah, mais pas Suzy, t'as passé l'après-midi à la faire, c'est quand même dommage. Elle aime pas quoi chiche. Elle non, digère pas. Oui, je digère. Elle aime pas ça. Oh merde, mon diplôme, merde. Plôme, merde. T'as mais parlé à ce que... Mais bah, je... J'ai envie de retourner dans le passé en ce moment. J'ai envie de... Quand... Vous voyez, tu vois le corps quand... Quand il est beau. Quand il est tonique. Quand je suis filée sur les podiums de... Le corps que j'avais, je t'ai mise. Quand j'étais Miss. Ça ne marche pas comme tu ça. Tu veux le même? Je veux le même. D'accord. Et ça va te coûter énormément d'argent, je pense. Monumental, hein. C'est vrai, tu étais magnifique. Mettez plutôt cet argent dans un canapé pour regarder la télé de façon. Après, moi, je me suis dit, Loulou, tu sais, faut pas vivre dans le passé. Hein. Les seins qui tombent, ça a des avantages aussi. Hein. Lesquels? Oui, j'aimerais bien savoir. T'as une écharpe? Par exemple, en soleil quand il neige, quand tu fais comment? Je sais pas, ça risque de... Ah, une image dégueulasse dans ma tête. Ça me rappelle une histoire très drôle. Quelle est la différence? Alors, qu'est-ce qu'une femme de 40 ans a de plus entre les seins qu'une femme de 20 ans? Le nombril. Vous la connaissez, Ludivine? C'est Gino qui me l'a fait pour toi. T'es toujours aussi nul pour raconter les blagues. Ah bah
Bah, elle a vachement cassé mon effet. Oui, ben. Bah... Elle marche toujours, c'est, celle-là. C'est parce que tu la racontes pas bien. Pas évident de le savoir. C'est toi qui ouvres d'habitude. C'est vrai que c'est soif, hein. Laisse-moi faire, chérie. Ah, oui. Oui, j'aurais pu le faire aussi. Oh bah dis donc, Amina, ça me connaît, hein. C'est une belle bouteille, hein. Ah. Tu peux regarder le menu, hein. Une soudaine envie de batifoler dans les herbes folles. Enfin, tu veux nous chanter une petite chanson plutôt, non? Non, non, non plus. Non, non. Je vais me mettre là, moi. Il avait oublié. C'est un poteau. Ami, je crois que t'as pas bien visité la maison, je vais te faire visiter. J'arrive. Attends, je vais aller. Non. C'est un guide individuel. T'es où? Ok, t'es je où te raconterai. Je te disais poteau, ça veut dire ami chez les jeunes. C'est Gino qui l'a dit. Maman, je sais. Poteau, oui. C'est pas un poteau. Je vais les aider. Parce que moi j'ai pas visité les chiottes encore. C'est pas vraiment la soirée que je m'imaginais. Enfin, je merde mon diplôme quand même. Puis j'ai viré un mec. Enfin, c'est... Marc, bah, tu m'écoutes? Excuse-moi, j'étais rêveur, oui, oui. Oui, t'étais rêveur, oui. Tu crois que c'est la soirée dont je rêvais, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bah, bouffer une salle dégueulasse préparée par ton ex-femme. Je crois que c'était ça, le plan. Tu m'as même pas dit qu'elle était là. Tu m'en as même pas parlé. Enfin, regarde ta réaction, excusez-moi. Oh, c'est chaise. Bam, 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 bam. Chiant ce voisin. Ah, mais moi j'ai. Non mais voilà. Non, tu ne m'en as pas parlé. Tu ne m'as pas dit qu'elle était là, excuse-moi, mais enfin moi je m'attendais à passer une soirée tranquillement avec toi, tous les deux, faire les fous, j'ai amené mon frère pour qu'il prenne des photos, enfin voilà, tu vois. Je suis pas obligé de manger ça, là. Franchement, c'est dégueulasse. Mais toi, t'es le petit toutou à sa mémère, là. Je te retrouve comme il y a 10 ans, tu vois. Attends, le jette pas, on va le donner au clébard. Il est dehors. T'en ferais pas que ça le rende malade non plus, hein. Et le Alain, il est pas venu là pour manger de la salade dégueu, hein. Comment ça, pourquoi? Hein? Oh non, rien. Petite Suzy va marcher en canard. Ah, toi, ça va donner appétit, moi. Calme-toi, s'il te plaît, là. Non, je vois bien, là, ça y est, tu commences tes réflexions, etc. Hey, je laisse ton mec tranquille, c'est pas le principal. Mais non, j'aimerais que tu laisses tout le monde tranquille, là. Tu vois, tes petites tendances au tripotage, là, tu te calmes. Quoi? Moi? 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 Refais-le. Moi? Moi? Oh, tripotage. Je sais même pas ce que ça veut dire, tiens. Alors, je vois pas comment je pourrais tripoter si je sais pas ce que ça veut dire. Si, bah écoute, attends. Définition de tripoter. Tripoter. Imposer ses mains ou d'autres parties de son corps sur des parties d'un autre individu à des fins récréatives. Maintenant, tu sais. Récréatif pour moi. Hein? Oui, bah récréatif pour toi, justement. Arrête, franchement. T'as déjà eu des alertes au boulot et tout. Calme-toi, arrête avec ces conneries. Tu fais ce que tu veux au boulot, mais tu fais pas ça ici. Non, ça se passe très bien au boulot. Je sais pas pourquoi tu parles du boulot, il faut arrêter de parler du boulot. Ça se passe très bien au boulot, on parle plus du boulot, ça se passe très bien au boulot. Parler du boulot, ça va. Non! Je parle pas du boulot. On est là pour fêter l'autre, là. Qu'est-ce que tu me caches, là? Je te connais, écoute.
Qu'est-ce que tu me caches? C'est quoi l'historique? Rien, rien. Mais attends, je paye la dernière pluie, là. On vit ensemble depuis toutes ces années, là. Hein. On se connaît. J'ai été viré ce matin. Putain, t'as recommencé. Mais j'y peux rien, moi. J'essaye de me retenir et... Malgré tout ce que je fais, ben... C'est comme si ma main, elle avait sa propre conscience. Elle faisait ses propres mouvements et... J'y peux rien si elle va attraper les... Arrête, 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 mon sang! Mais je veux pas savoir, moi! C'était qui? Je sais même pas! Elle avait un masque, elle était en train de faire chauffer des claquettes, et puis voilà, elle était sur la chaîne, et je suis passé derrière. Oh, et c'était une de plus. Une de plus, quoi. Une de trop. Oh, il y en a jamais trop. Un verre d'eau. D'eau? Oui, d'eau. Un verre d'eau. Prends une petite poignée de pois chiches. Pas grave, attends, tu sais, c'est pas grave, de nouveaux boulots de pois. Ben là, nouveau, un, deux. Il en veut pas. Enfin, s'il en a mangé, oui, il a gerbé partout. Il a deux doigts de bon sens. Il a deux doigts de bon sens, cet animal, lui. Moi, je vais voir s'il n'y a pas un truc pour te calmer un petit peu. Ça te demande. Ah bah c'est bien, vous avez apprécié. Ouais, j'ai vachement apprécié, ouais. Non mais les pois chiches. Oui. Les concombres. Ah ça me fait plaisir, hein. Vraiment. Les... Vous savez, moi je suis pas du tout vegan, hein, mais c'est pour faire plaisir à Alain. Vous faites beaucoup de choses pour faire plaisir à Alain. Ça se voit. Ça se voit. C'est vrai. C'est dommage parce que je veux on pas... On parle de moi? Je veux pas qu'il s'attache et... Ah bon? Ouais, c'est Nico. Ah, ok. Pour vieux Nico. J'avais un doute. Je gêne peut-être? Oui. Laisse-moi ça. La marque qui... Okay. Non, mais vous pouvez rester. Oui, bah je comptais pas partir. Je vous remets un verre. Ah, voilà, j'ai fait de la place, hein. On va peut-être garder les mêmes assiettes pour la suite, hein. Moi, je les aurais jetées directement. T'en fais pas, Pépette, hein. Moi, à l'époque où j'étais dans la rue, je mangeais même la gamelle. La boîte de poussière. Non, emmerde pas tout le monde avec tes histoires là dans la rue, tout ça. L'abbé Pierre. Toujours dit que l'abbé Pierre, c'est lui qui m'a sorti de la rue. Hein. Enfin, pas lui en personne. Mais ce qu'il a construit. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir parlé d'un. C'est pas l'abbé Pierre, c'est Coluche. Ouais, mais c'est un peu la même. Hein. Moi, je les regarde chaque année. Hein. Qu'est-ce que tu fais, maman? Et puis je donne 1 euro ou 2 à chaque fois. Mais c'est généreux. Mais maman, tu te drogues? Non, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est bon, tu te drogues? C'est bon pour l'équilibre énergétique. L'équilibre énergétique. Du sport, des protes et de la beuh. Mais t'es fou. C'est mes gitanes de dab. Marc, je ne sais pas si ce sont vos couverts de tout à l'heure, pardon. Voilà, on a fait aussi des boulettes. Boulettes? Des belles boulettes. On n'a plus de la vaisselle. De falafel. On n'a plus de la vaisselle. Non, on n'a plus de la vaisselle. Je l'ai vendue pour payer la dernière année d'études. Enfin, entre autres. J'ai vendu aussi quelques assiettes et quelques couverts. Il n'y a plus de la vaisselle, il n'y a plus de la vaisselle, mais vous êtes toujours là, non? Bon, c'est peut-être pour ça que vous restez aussi longtemps. Bon, écoutez... Non, mais ça va, c'est du humour. C'est pas bien joué. Commence par un chalet. J'ai pas compris la blague. C'est mieux. Ben, ça m'étonne pas. C'est qui ce blaireau qui nous a invités là ce soir, Luc? Tu
Tu m'avais dit des copains de la fac. C'est ça les jeunes d'aujourd'hui, ça? Non mais quand même, les gars, ce genre de truc. Non mais oh. Non mais enfin, on rigole. C'était une blague. Non, vous avez raison, Ludivine. Non mais déjà que je les entends au PMU, alors s'il te plaît, pas en repas de famille. Enfin, vous avez... personne vous oblige à passer votre vie au PMU. J'ai jamais dit que je passais ma vie au PMU, personne t'oblige à faire des blagues de merde. Ouais, ça marche, on peut pas s'en empêcher. C'est vrai que l'humour chez les jumeaux, généralement, il y en a qu'un qui l'a. Et l'autre, il sait chanter. Enfin, une fois, en tout cas. Le nombril tout à l'heure, moi aussi, je me suis fendu la poire quand Gino me l'a raconté. Mais là, faut pas pousser le bouchon, quoi. Hein? Je leur dis, Luc. Oui, ça suffit. Ça suffit quoi? Non, c'est vrai. Enfin, je veux dire, ça a mis une sale ambiance, quoi. Enfin, si on vote, je vote aussi, ça suffit. Ouais, arrête avec tes blagues. Ça suffit, c'est clair. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es lourd, Marc. T'es lourd avec tes remarques misogynes. Tout le temps, là. C'est une soirée festive. Enfin, oui, je veux voilà. Dire, c'est la fête. J'ai quand même eu mon diplôme. Et puis j'ai viré un mec, quoi. Mais on fait ça. Alors. Allez, Reich, une fourreur. Deutschland, Cooper, Je vais essayer un autre registre. C'est pas grave. Reste sur la chanson française. Ouais, j'ai l'impression. Allez, à toi, mon chouchou. Merci. Merci, maman. À toi, mon chouchou. À Luc. À Luc de Guy. Et à sa merveilleuse. Et à son extraordinaire. Je suis pas rancunière. Ouais, hein, attention, mais... croise pas. Vous avez soif? Oui, bah ça va, une fois, moi c'est aussi. Bon. Santé, jumeaux et lunettes. Nicolas. Oui, non, ça va. Nico. On peut faire des blagues, hein, aussi, de ce côté-là de la table. Ouais, elle était très drôle. Elle était excellente. Tout le monde s'est bitonné. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai amené de quoi manger. Hein? C'est de quoi manger? Mais Chou, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis des lardons? Un animal? Sensible, fragile? Du cochon. Du cochon! Des lardons, c'est du cochon? Je t'avais dit que t'as mis du cochon! Là-dedans? Mais ça, c'était le repas de demain! T'es sans cœur? Tu. Mais enfin, comment veux-tu que je le sache? D'habitude, tu mets des post-it! Là, il n'y a rien, moi je prends, je vois, dans le... je l'amène! Mais va falloir t'y faire, il n'y a plus de post-it! C'est terminé les post-it! Tu mets pas de post-it, toi? Mais là, qu'est-ce que c'est que tu mets des post-it, lui? C'est pas comme s'il vivait avec lui. Pourquoi il mettrait des post-it, lui? Enfin, ça va, personne ne vous oblige de le manger! Ça me dégoûte! C'est mon frère, il a trop bu! L'écoutez pas, il raconte qu'un échange. Oui, bah oh, il a trop bu! Si je bois trop, c'est qu'il me sert trop! Mais bon, pourquoi est-ce que vous n'en mettriez plus des post-it? Eh ben parce qu'on est séparés. Et vous êtes sur le départ? Non, lui. Ah ben quelle bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle. Oh bah quoi. Oui. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Je croyais que tu ne pouvais pas quitter cet appartement. Je suis content d'apprendre que tu vas le quitter bientôt. Ça me fait un bien fou. Comment ça, je suis sur le départ? Et pourquoi ça vous ferait un bien fou? Mais parce que... Mais oui, pourquoi ça te ferait un bien fou? Eh bien, parce que je trouve que Luc traverse une période où il prend son envol. Où il trouve un diplôme, un travail, il vire son premier gars, il quitte sa femme d'il y a 10 ans, il trouve un appartement avec quelqu'un qu'il aime. Enfin voilà, c'est peut-être le moment pour lui. Allez sur le balcon. Non, pas de mort. Bon, par contre, ça se drogue allègrement. Chez les gens. Chez les gens. Bah, c'est ta mère, hein. Je l'ai vu tel palier qu'il était cool. Rastafari. Lâche-moi, c'est ridicule. Je vois bien que t'arrives pas à le dire, là, que t'es avec... Non mais il est hors de question que je le dise. Si tu veux, je le dis à non. Ta place. Non. Moi j'ai les couilles non, de le faire. Mais non mais je fais ça pour toi. Non, tu gardes tes couilles là où elles sont. Non, c'est les lunettes que je te passe. Les miennes, je les garde. Non, attends, mais tu vas faire n'importe quoi. Ça serait mieux que tu le dises.
Parce que là, ça commence à être... Moi, ça va sortir, sinon, ça va sortir de moi-même avec les lunettes. Ça sera sacrément bizarre. Écoute, autant qu'on le fasse avant que t'aies trop bu. Mais je te fais confiance. Oui. Non, mais on se connaît, tu me connais. Tu sais à quel point j'ai besoin de délicatesse. C'est quelqu'un d'important pour moi. Délicatesse, tout à fait, tout à fait. Hey, voilà, ok. Ça va. Tu peux le dire maintenant, là. Genre, là. Non. Tu attends le bon moment. C'est quoi le bon moment? Eh ben, c'est un moment délicat. Tu feras un signe. Je te ferai. Je chanterai. Généralement, tu fais ça. C'est pas le bon moment. Eh ben, je ne chanterai pas. Maintenant, je. Ah. Eh ben, je. Fais-moi un signe. Ok. T'en fais tout un foin, chouchou, mais en 68, ça posait vachement moins de problèmes, hein, là-bas. Mais on est plus en 68. C'est bien dommage. Ça, c'est quoi que tu dis, hein. Moi, je suis 68 spirit. Voisin. Nico, qu'est-ce que t'es maladroit? Ah, c'est parce que j'ai trop bu. Allez, petite blague misogyne. Ceci dit, le petit blanc, il tape, hein. C'est vrai. Il est pas senti. Ah oui, effectivement, oui. Vous savez que moi, j'adore Michel Sardou. Ah bah tiens, tu pourrais nous en chanter un petit. Allez. Oh, tu chantes tellement bien. Oui, Marc. Fais-nous ce petit plaisir, Marc, s'il te plaît. Allez. Brûlé au fond des landes de terre. Brûlé au fond. C'est bizarre parce que vraiment vous. Des lords. C'est là. On a l'impression que tu cherches les mots. Hein. Ah oui, c'est Nico aussi, me fait perdre les moyens. Vraiment, c'était fluide au début. Hein. Fluide, oui. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, tu sais. Enfin, on t'a connu. Enfin, je veux dire, tu chantais mieux au début du repas. C'est vrai. Mais j'aime pas ça. C'est Sardou, c'est vraiment. Oh, bah, tout si. Droite comme ça. Ouais, Sardou, il est exceptionnel. Vous mangez rien? Sardou. Vraiment, vous mangez rien? On essaye. Essayez, vraiment. C'est vrai qu'on sait pas les trucs, oui, les trucs qu'on peut manger. Allez, je me lance. Mais il y a pas un peu de pain? Il y a tout mangé. Non, il y a pas un peu de pain, du jambon pita, quelque chose. Oui. Tu vas? Non, je vais. Non, toi d'abord. Ça sera vous. Bon, viens, on est sur le balcon, nous. On se fait toujours chier dans ces repas. On se fait chier. Ouais, puis moi j'ai une soirée qui m'attend là après. Tu vas au Macumba? Ouais! Ouais, avec des potes, on se retrouve là-bas. Attends, c'est ça. Moi aussi, on pète. Oh putain, mais c'est là où j'allais quand j'étais jeune, hein. C'est vrai? Oh là! Il y a toujours DJ. DJ, comment il s'appelait déjà? DJ Auguste! Pas changé, il est toujours là. Il passe toujours la même musique, mais c'est vachement bien! Furieux de son âge, vieux crouton, quoi! Il fait pas son âge, hein. Il paraît qu'il est là depuis 1920. Ah bah c'est ce qu'on dit, hein! Ah, moi j'y allais! Mais t'as fait! Ah bah ouais, c'est vrai que ça! Tu vas venir avec nous! Oh purée! On s'enjaille un peu, quoi! Mais après, je vais pas laisser mon petit chouchou, là! Bon, il est en bonne compagnie, là! Bah, déjà, je le vois, que ça lui fait un petit truc, à mon avis, à mon chouchou, de le voir. Que vous êtes comme ça. Nous, on est. Il fait le dur comme ça, mais moi je le sens, hein, je le connais, mon chouchou. Hein. Ah ouais, je le connais. Vous lui avez parlé? Ah bah moi j'aimerais bien qu'il retrouve quelqu'un, mais y a personne, si tu veux. Moi je lui ai dit, hein. Pas sûr qu'il y ait personne. Mais moi je lui ai dit, de toute manière, le couple, ça a pas d'avenir. Moi je lui ai dit, va une soirée échangiste. Oh. Je veux pas. Lui, il est comme ça, quoi, il est carré, tu vois. Moi je lui ai dit, tu trouves qui tu veux. Moi je suis ok, tu vois. Vous avez des adresses avec tes copains, peut-être que. Ouais, ça amusait un peu ça, quoi. Nous aussi, on fête ce soir. Ouais, je suis pas sûr que la Suzy, elle en soit, hein. On est pas obligé de lui dire. Ah, t'es comme ça, toi. Oh, t'es cochon, va. Suzy, c'est une façade, comme ça. Ah ouais. Je sais pas, on est jeune, elle a 80 ans, ouais. C'est une chouette nana, quand même. 40. Eh oh. Eh ben, moi, je suis pas de la préhistoire, hein. Ouais. On dirait que tu fais du gringue, toi. Oh, je savais pas. Ouais, j'ai vraiment cru que c'était le signal tout à l'heure. Mais c'était pas le signal, je regardais ostensiblement. Bah oui, j'ai bien vu que tu regardais ostensiblement le mur. Non, mais bon, là c'était le moment. Ils attendaient, là. Ça manquait de délicatesse.
Alors, cette relation, c'est sérieux avec Suzy? Extrêmement, extrêmement. Je suis tellement content pour Luc. Mais... Ah, vous avez bien de la chance, parce que moi, la Suzy, j'ai... Vous avez pratiqué? Ouais, j'ai pratiqué, ouais. Et je pratiquerai bien encore un peu, mais je vais vous laisser la place. T'as couché avec Suzy, toi? Ah non, 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 pardon, non. Je fais trop, putain, j'ai pas l'habitude de faire passer pour toi. Vas-y maintenant, vas-y maintenant. Il n'y a pas tout le monde, je peux pas y aller maintenant. Non, non, pardon, c'était une blague. C'est quand même dingue que les copains de classe se retrouvent et que toi tu couches avec Suzy, par. C'est fou ça. Ouais. Il va que tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde couche avec Suzy. Ah bon? Ouais, ça espère, hein. Elle vous reste? Alors la miss? On va pas faire un petit. Un défilé, Suzy, un défilé! Allez, un défilé! Oh, ouais. Stark! Allez. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Allez, Suzy, montrez-nous comment c'est. C'est vrai. Allez, qui fait Gilles? Vous faites Madame de Fontenay. Geneviève. Vous faites Geneviève. Vous faites Geneviève. Oh là là, c'est fou, ça va être génial, ça va être génial. Ça va être génial. Vraiment. Attends, je me mets dans la peau d'une facho. Une facho tout de suite. Mais moi aussi, elle prend bien les bons vêtements, moi. Un chapeau. Enfin, qu'est-ce qui lui arrive à ton frangin, là? Nico, merde. Non mais attends, c'est pour donner le change, c'est pour pas qu'on voit tout de suite qu'on est pas normaux, enfin qu'on est enfin tu vois. Écoute, il est tout chamboulé. Oui, il a l'air. Ouais. Alors là, je suis dans la peau du personnage. Hein. Moi, je sens bien que mon frère est plus le même. Je sens bien que mon frère est différent, je... Vous l'avez encore fait picoler, qu'est-ce qui lui arrive là? Non mais on fait un défilé, Suzy va défiler. Mais je suis prête. Eh ben mon Dieu, pardon. Allez, regardez. Regardez pas comme ça, c'est indécent. Et la mousse cette année, eh ben, c'est mal de tu dis. Non. Ah. Oh là 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 là. Ah, du bol, hein. Enfin, t'en as eu. Oh putain, les lunettes. Les garder aussi. Hein. Oui, bon, enfin, c'était pas. Je t'avais dit de mieux là. Ça, c'est un peu daté comme numéro. Enfin, on sent que. Ah, vous avez garde. Vous... Voilà, c'est comme le passé qui remonte, quoi. Non, non, mais les codes restent les mêmes. Hein. Si vous regardez Miss France, c'est toujours les mêmes codes. Oui, les codes sont les mêmes, mais les cotes. De toute manière, du moment qu'à la fin tu chiales, c'est bon. Elle se représenterait aujourd'hui, elle le gagnera encore. Oh, merci. C'est sûr. Il est trop. Tu veux pas faire le défilé en maillot? Non, Marc, ce serait très gênant. Ce serait très gênant, Marc. Si. C'est extrêmement gênant. Mais non, ça va, bon alors, ça se range comment ça? On n'a pas visité toute la maison encore. On y retourne? Et ça connaît bien la maison, je peux vous montrer moi aussi. Marc, merde! Eh ben, qu'elle laisse-le faire visiter la maison. C'est vrai. S'il a envie. C'est vrai. Je pense que la visite de la maison, c'est un nom de code. Vous pensez? On ne la fait pas, moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je me tiens juste avec tes amis, ta famille. Marc, qu'est-ce qui se passe? Merde. Hein? Attends, il y a ta mère là, il faut pas qu'elle nous voit, hein. Il faut se... Mais ma mère, elle est plus à sa près. Embrasse-moi. Non! Ah ben voilà mon chouchou! Laisse tomber, c'est bon, c'est pas grave. Pourquoi laisse tomber?
Parce que ça sert à rien. Mais non, on s'amuse bien. Oui, on s'amuse. Trop bien. Mais c'est pas, on n'a pas les mêmes objectifs, tu vois. Oh, je crois que si. On regarde souvent dans la même direction. C'est ce que tu préfères. Arrête. Mais je t'ai dit, j'ai reçu les résultats. Oui, bah c'est ça le problème, c'est là le problème. Mais je suis stérile, ça veut dire que je suis nickel, quoi, clean, quoi, j'ai pas une maladie. Quoi. Alain, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alain, j'ai passé 26 ans à vouloir un enfant. 26 ans. Je lui ai demandé tous les mois et tous les mois et jamais parce qu'il faisait ses études. Et toi, moi, je suis là. Mais oui, mais... Pour toi. Ok, tu es peut-être propre, mais c'est pas ça le problème. Tu ne peux pas m'offrir ce que je veux. Tu n'as pas les capacités. Tu veux une maison, c'est ça? Non, moi aussi, je suis diplômé. Moi aussi, je peux faire des ressources humaines et dans l'écologie ou... Alain, je veux un enfant! Ah, mais... Ah, stérile! De moi! Et moi, tu vois, je suis à la limite, là, tu vois, enfin, là, il faut qu'on me le fasse! C'est un peu la deadline, voilà! Je suis au bout du bout et. J'ai un bon contact au zoo de Vincennes! Au niveau des chimpanzés, peut-être que je pourrais faire un prélèvement et tenter une insémination. Ce serait comme si c'était de moi de prolonger. Il y a Kevin, c'est un chimpanzé très intelligent. On se parle, c'est comme un frère pour moi. Et je lui fais confiance. Je serais fier de d'élever son enfant. Certainement, Alain. Mais je veux un enfant, un être humain, à 100%. Je veux pouvoir le prendre dans mes bras et pas qu'il s'agrippe à moi. Ça aura énormément d'amour. Non, je veux pouvoir le nourrir avec des autre chose que des bananes. Coco. Allez, Marc, non, viens là. Arrête. Mérite dans la cuisine. Ah, mais bon, arrête, ça va. Pédé. C'est lui, c'est moi, c'est nous. Arrête, c'est moi, mon chouchou, c'est moi. Ça va. Ah, mais à quoi vous jouez, bordel? Excuse-moi, c'était une mauvaise idée. Je crois qu'ils ont interverti, chouchou. Bravo, vous Lily, croyez bravo. Merci, maman, t'as bien fait de venir. Marc, putain, femme, ta mère. C'est quoi ce jeu débile? Mais c'est à cause de lui, là, il veut pas le dire. Il n'arrive pas à le dire. Mais c'est à cause de lui, il veut dire... Lâche-moi, sale pédé! Oui, bah je me suis peut-être un peu emporté. J'ai le droit d'avoir un frère jumeau homophobe. Je t'ai prouvé suffisamment de fois que je ne l'étais pas. Ouais, bah, ça se dit plus, hein. Ah, ça me dégoûte. Déjà en 68, ça te disait plus, alors maintenant ça dit encore moins. Hé, hey, Yoda, là, t'es... Oh. Elle se calme. Elle arrête avec ses phrases, on comprend rien, là. Ah, Suzy, quel bonheur. Suzy. Putain, Marc, tu... Vous avez terminé, tu... Tu me dégoûtes, tous les deux, vous me dégoûtez. J'embarque ça. Moi aussi. Marc, protège-toi. J'ai même pas une boule. Non, Nico. Partagez ça avec Pépette, moi, tiens. Pépette. Oh, on viendra donc pas dessus. Non. Il faut que j'avance. Et toi aussi, il faut que tu avances. Bah, enfin, débarrasse.
Allez-y, débarrasser, le faire débarrasse. Ça sera toujours ça de moi à faire. Plus aucune conviction. Tu veux voir quelque chose? Oui. T'as même pas goûté ma sauce tzatziki. D'habitude, tu l'aimes bien. Elle est pas bonne. C'est quoi? C'est la première fois que... Je suis d'accord avec toi. Elle est dégueulasse. Bah, mais pète encore sur au milieu du jardin. Je suis déçu, je suis dégoûté. Oui, tu vois, mais j'ai même pas envie de tourner autour de la table, tu vois, ça va... Je vais en faire un petit quand même, mais vraiment un petit. J'y crois même pas moi-même. Arrête-toi. Tu te souviens, à 24 ans, tu m'avais promis quelque chose. Tu m'avais promis quoi? On aurait un enfant, tous les deux. Bon, j'avais 24 ans, j'étais un peu foufou. Je me rendais pas vraiment compte, et puis c'était la soirée, on était. J'étais un peu. J'avais bu, non? Ou. 50! Ah non! Si, si. Pourquoi? Tu vas me le faire. Tu vas me faire un enfant. Je m'en fiche que tu boives et que tu boives et que tu boives et que t'aies besoin de boire et de boire, mais tu vas me le faire. J'entends que ça parle de boisson. Je suis là. On n'a pas du tout dit poisson. Non, j'ai dit boisson. Attends. Non. Tu t'assois. Bon, enfin, Marc, tu t'assois. Merde, qu'est-ce que... Ma fille, elle est trempée. C'est vrai, ça. Il va falloir que je la change. C'est vrai. Non, Marc, non. Je me fais pas avoir. Comment? Tu m'as déçu. Quoi? Je vais mettre une chemise propre. Essaie de tenir un peu au moins devant ma mère. Ah, vous étiez là, vous? Vous êtes toujours là, vous? Je passais par là. Ouais, bien sûr. Ouais. Vous étiez là dehors en train de fumer de la drogue avec les enfants. Je fais pas que ça, hein. Fumer de la drogue avec les enfants? Accessoirement, j'ai élevé un gosse, moi. Parlons-en de votre gosse. Vous avez peut-être pas tout raconté, non? À quel niveau? Personnel. Vous savez, c'est pour raconter à sa maman. Maman, tu sais, je suis pédé. Mais il n'y a pas besoin de me le raconter, hein. Moi, je l'ai rapidement vu, là, mais il a voulu se mettre avec Suzy, Quoi, comment ça? Ah, quand il était gosse, moi, j'ai tout de suite senti. Mais il a voulu se mettre avec Suzy, il se met avec Suzy. Ben non, il se met pas avec Suzy, le rôle d'une mère, c'est de pousser son enfant dans le droit chemin. S'il veut être homosexuel, la mère doit le pousser vers l'homosexualité.
Non. Bah si. Selon moi, le rôle d'une mère, c'est de laisser son gosse faire ce qu'il veut, expérimenter, et puis il apprend par lui-même. Et bah c'est ce qu'il voulait, votre fils. C'est ça qu'il voulait expérimenter. Dans l'école commune dans laquelle j'ai élevé, en 68, ben, on poussait les gosses à s'explorer. Oui, mais il m'a raconté ça. Il m'a raconté ça, il y avait un animateur, il paraît, Jean-Luc, là, très, très sympathique. Ah, mais vous imaginez pas des choses, hein, je vous arrête tout de suite. J'imagine rien, je constate. S'explorer intérieurement. Bon, enfin, Suzy, vous comprenez pas ce qui se passe entre Luc et moi. Ah si, ah, je comprends bien. Vous comprenez quoi? Enfin, exprimez-vous, arrêtez là, vous dites des conneries toute la soirée, bah dites pour une fois, dites un truc sérieux. Mais je dis pas des conneries, hein, je comprends bien que vous batifolez. Et ben voilà, ben moi j'ai besoin de votre soutien. Mais mon soutien, mais vous l'avez, mais s'il savait mon gosse. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, Suzy, là? Suzy, elle a toujours été là, mais c'est... Ben oui, mais c'est bien le problème, toujours été là, toujours, toujours. Et vous êtes où, vous? Voilà. Remettez votre fils dans le droit chemin. Tiens, Suzy, c'est délicieux, les boulettes. Dites-moi, votre tarte aux prunes. Au quetch. Oui, je vous ai déjà. Il faut la couper en triangle, en isocèle, en équilatéral. Comment? Il faut la couper. Non, mais coupez-la. Coupez-la, vraiment, coupez-la. Je suis incapable de couper une tarte. Tout le repas, je l'ai pas fait. J'ai commandé. C'est vrai? Oh mon dieu! Vous voulez que votre fils passe sa vie avec ça? Je suis là, toujours là. Ah si, si, ouais. Je vais couper la tarte. Oui, allez, coupez. Oui, je vais couper. Vous accompagne? Oh non, laissez-moi, je vois que Luc est dans la cuisine. Oh si, moi j'adore. C'est vrai? Des... Oh, regardez, on dit des couettes. Mais il est où mon chouchou là? Chouchou! Hé! Hey, chouchou! Je vais te dire un petit mot. Maintenant? Non, dans 1000 ans. Ah bah ça va alors. Je peux continuer à picoler alors. Bon, bien. Je crois que... c'est le moment. Tu me fais peur, maman. J'ai jamais osé te le dire, mais là, avec l'alcool qui m'aide, là... Tu sais, des fois... Tu me fais peur. Il y a des filles. Et puis de l'autre côté, ben, il y a des garçons. Eux, ils ont une zigounette, comme toi. Et puis, ben, des fois, entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Ou pas. Je te dis tout ça, mon fiston, parce que... je sens que j'ai quelques notions à t'apprendre, tu vois. Il est jamais trop tard, je me dis. Tu viens d'avoir ton diplôme, tu vas peut-être fréquenter. Non, mais je suis pas là, non. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, parfois, ben, j'avais mes week-ends moto. Ah ouais, mes week-ends moto, ah, mes week-ends moto. Mais c'est pas pour ça que je pensais pas à mon petit chou, tu sais. Dès qu'on arrivait à une étape, à la chelle, je disais à mon chouchou. On arrivait à la totale, je disais à mon chouchou. Puis on arrivait à la mobile, je disais à mon chouchou. Ouais. Ouais, mais t'étais à la chelle, à la totale, à la mobile, t'étais pas à la maison. Alors c'est bien, tu disais à mon chouchou, je suis super content. Mais je l'entendais pas, puis t'étais pas là. Mon chouchou. Toutes ces années, tu sais, c'est pas pour ça que je t'ai pas aimé, hein. T'as été ma raison de vivre. Tu sais, quand papa est parti avec cette salope, ben moi, il y avait que toi, hein. T'étais l'homme de ma vie. Et regarde ce que je me suis fait récemment. Ah, ah oui. Je me suis tapé ton nom sur les seins. J'ai vu. Sur le sein. Du côté opposé au cœur. Pour me rappeler que là, j'avais le cœur, c'était vital. Et là,
J'avais mon chouchou, c'était vital. Oh, oh. On va refumer un petit, monsieur. Allez, pas du tout. Moi, je vais te la tripoter, ta... Oh la vache, ta mère, mais ta mère. Oh la vache, mais... Qu'est-ce que cette tête? Elle est coupée, cette tarte? Je sais pas. Ouais, est-ce que t'as coupé la tarte en losange, en quoi que, comme on t'a demandé Excusez-moi, vous avez fait toute la vaisselle, mais vous n'avez pas coupé la tarte. Je suis désolé, j'y retourne. C'est quand même l'objectif. J'y retourne tout de suite. J'y retourne tout de suite. Merci, je reviens. Incapable. Oui, oh, te presse pas. Allez. Il y en a pour vous ce soir, hein. Je sais pas, c'est un peu les montagnes russes, comme on dit. Je m'attendais pas vraiment à... une soirée comme ça. Pourtant, la journée avait bien commencé. Hein. Un diplôme, un licenciement. Ah, je me suis fait plaisir. Mais là, du coup, ouais, c'est... Ouais. Ouais, ouais, il y en a des journées comme ça. Elles commencent d'une façon assez intense. Comme licencier quelqu'un sans même le regarder dans les yeux. Ah, j'avoue que... Ça m'aurait excité encore plus de le regarder dans les yeux et lui dire « Toi, ma petite merde, je vais te virer. C'est le dernier cul que t'as touché, ok ?» Mais bon, voilà, c'est par système de numéro, enfin, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ouais. C'est un peu inhumain, mais... C'est un peu inhumain. Tout ça pour une vulgaire main à peine effleurée sur le cul de Sabrina. Sérieusement. J'ai dit Sabrina. Oui, vous avez dit Sabrina, oui. C'est parce que il m'a pas semblé avoir évoqué le... Si, je crois bien. Sabrina Mortier, qui était sur la ligne d'assemblage des claquettes. Mais vous avez dit que vous travailliez en RH chez Claquette & Co. Vous l'avez dit, non? Vous l'avez dit. Ouais, ok. Oh mon dieu. Oh non. Ah, il est chez moi, dans ma maison. Ah, vous me dégoûtez. Moi, je vous dégoûte. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les actionnaires, quand je vais leur dire que... Oh, il a viré son propre mec pour une histoire d'attouchement sur une femme alors qu'il couche avec lui. Marc, c'est toi? Non, c'est Nico. Ah, pardon. Mais par contre, ça pourrait très facilement être Marc. Non, Nico. Arrêtez. C'est Marc. Marc, dégage. Nico, tu... Mais non, Marc. Marc. Oui, Marc. Ah. Quoi? Je... Ah. Marc, qu'est-ce que... Nico, qu'est-ce que tu fais là? On était en pleine discussion avec ton mec. Je sais pas pourquoi t'es arrivé. Parce que j'ai fini de couper la tarte au poing. Écoute-moi bien. Est-ce que tu crois que les actionnaires, ils vont aimer quand ils vont savoir que le tout nouveau RH, diplômé à 50 ans, il vient de virer son mec. Je me voyais déjà. Regardez l'affiche. Son mec. Et il me semble pas qu'on soit très ouvert dans le milieu de la claquette. Hein?
c'est quand même des strings de pied. Et qui est-ce qui porte des strings? Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Des filles! Nicolas! Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Philippe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire là? Je pense que les actionnaires ils vont pas trop comprendre! Mais pourquoi vous avez viré votre mec? Pourquoi s'il est gay, il a touché le cul de Sabrina? Mais qu'est-ce que compris, moi j'ai rien compris moi! J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ce matin, j'ai viré ton frère de Claquette & Co. De manière inhumaine. Enfin, je pense que la façon dont il a été viré est pire que le crime qui a été commis pour me faire virer. Que juge. Mais enfin, vous a viré qu'une fois. Hein. C'est ça ta défense? Et vous avez harcelé... à peu près toutes les femmes qui travaillent dans cette entreprise. Mais c'est pas ma faute aussi! C'est la vôtre, les haches! Pourquoi vous embauchez que des petits culs aussi? J'ai de l'incitation à toucher les petits culs! Bah oui! Nicolas! Bon, ta gueule! J'ai encore pas les petits culs, c'est ça? Mais ta gueule! Mais bon sang, ce mec est l'amour de ma vie! Qu'est-ce que t'es en train de raconter là? Et pourquoi il vient de soupirer derrière moi? Ce mec est l'amour de ta vie, mais il peut très vite devenir ton cauchemar. Hein? L'amour de votre vie. Alors, c'est le dessert! C'est pas ce dessert. Voilà. Ce mec est l'amour de votre vie. Marc, je vais couper la tarte. Non, je vais m'en occuper. Non, je vais m'en occuper. Non, ça va, je vais m'en occuper. Je vais le faire. Je sais faire plein de choses. Je sais faire beaucoup plus de choses que des hommes. Parce que je suis une femme. Et je pense que des fois... Ça correspond pas à tout le monde, mais là, cette fois-ci, pourquoi un homme? Je me sens toute nerveuse. Mais non, ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, Suzy, là? Me touchez pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, Suzy, en chaleur, là? Non, mais ça va bien. Marc, prenons le dessert. J'ai pas fini les boulettes. Là. Tarte au quetch. Si on faisait tous un tour de la table ensemble, peut-être que pour détendre l'atmosphère. Moi, ça me dérange pas. Surtout que je suis fraîchement diplômé, donc bon, c'est un peu long. Divine, vous avez mis votre mégot dans le verre. Là, du coup, je suis tout seul, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il faudrait peut-être mettre une petite musique. Il n'y avait pas de son dehors en même temps. C'est la chenille qui redémarre. Je ne connais pas les paroles de cette chanson. Asseyez-vous. Non, je fais ce que je veux. Enfin, vous rigolez, mais vous savez pas de... Oui, vous avez raison, les gars. C'est vrai qu'on ne sait pas. Vous savez pas d'où ça lui vient, ce truc de tour de table. Alors que elle, oui. Elle... Mais ben, ça vient d'où? Eh ben, dites-le maintenant. Oui, c'est vrai. Enfin, ce... Ça lui rappelle des mauvais souvenirs, c'est pour ça que je le dis pas pour Chouchou. Bah c'est quand son père lui avait foutu une torgnole, hein. Il a pété la dent devant. Voilà. Voilà. Ah, c'est tout. Et il essayait de fuir, et bam, et la dent. Mais vous, là-dedans, vous faisiez quoi à ce moment-là? Ah bah, j'étais en moto, moi. Mon pauvre Chouchou. Puis après ça, je l'ai largué, son père. Enfin, je l'ai largué aussi parce que... Oui, enfin bon, son père, lui, au moins, vous a fait un enfant. Ah, ça, c'est vrai qu'un mien, j'en ai un, moi. Ben, ça peut s'arranger, hein. C'est pas moi qui ai parlé. C'est Alain. Et la tarte, Marc. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui avais parlé. Bonsoir. Servez la tarte. Oui, vous avez niqué mon téfal, là. Putain, mais t'es toujours chiant avec tes failles, toi. Arrête. Vous allez la couper vous-même depuis tout à l'heure, je vous demande de la couper. Ça, c'est... Là, pour le coup, c'est vrai que... Ah oui. On vous a demandé plusieurs fois de couper la tarte. Marc, on t'a demandé plusieurs fois de couper la tarte. Et tu l'as pas coupé. Enfin bon, voilà. Peut-être j'ai essayé de la couper. J'ai essayé, mais elle est arrivée. La harpie, elle est arrivée. Oh ah, Marc, on se calme, merde. Nicolas, vous avez déjà visité la maison? Non, jamais. Eh ben, c'est parti. Allez. Suzy. Ça me semble une excellente...
excellente idée. En général, quand elle dit ça, on se retrouve vite avec le pantalon en bas des... Waouh, c'est vrai. Oh, le QI de malade. Merci. Non mais Luc, tu arrêtes d'être méprisant. C'est vrai que tu dis une évidence à mon bonhomme. Hein. C'est fou d'être méprisant comme ça. T'as des choses que tu peux pas te permettre. Oh, 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 oh. Alors, bon, vous allez couper cette tarte ou pas? Laisse-nous écouter, c'est une femme qui prend du plaisir, bordel. Ça me rappelle les orques aux autres Tuaris, ça. Mais je te sens secoué, ça va? Il se passe rien de grave ce soir. Moi, si je me souviens bien, à Tuari, il n'y a pas d'Aqualand. Merci. Merci maman. Ça a été construit en 2021. Mais le principe, c'est que les animaux sont en liberté et l'humain, lui, il est enfermé. Ouais, et des orques en liberté, c'est quand même chaud, quoi. Excusez-moi, c'était mon sujet de thèse. On a creusé un lac artificiel pour mettre un orque dans une eau non saline. Mais vous, en plus d'être... Et l'orque a survécu. Il a eu une portée de 12 orques. Moi les amis, il se fait tard, on est attendu au Macumba. Donc soit on se lamente cette tarte, soit on se... Mais c'est que j'ai du mal, ça accroche un peu dans le fond. Mais pas qu'avec mamie, hein. Bon alors, mamie est... C'était pas si compliqué. Ça accroche dans le fond avec mamie. Non, ça accroche pas dans le fond avec mamie. Je pensais que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures confitures, mais en fait c'est dans les très vieux pots qu'on faisait les meilleures confitures. Il est drôle votre ami, dites donc Suzy. Hein. Ah, il est fin et délicat, hein. Voilà. C'est exceptionnel. On le reverra plus. Je ne suis plus son ami. Allez-y. Allez, tiens. Je sais pas si j'ai encore faim là. Mais allez, c'est toi qui as l'honneur, mon chouchou, mais ce oui. soir. Mais oui, ah mon chouchou ce soir. C'est vrai. Le diplôme. J'en fais un dans l'autre sens. Le purée. Et tu sais, papa, il est plus là. Hein. Il est passé par ici. Papa, je l'ai éloigné de toi. Il te fera plus de mal. Merci, maman. Allez, voilà. Voilà, mon chouchou. Oh, mais c'est mignonné, ça. Ça sent l'amour. C'est mignonné, ça, mon chouchou. C'est l'amour qui consomme le monde. Et si on trinquait? Ah oui, ah oui. Et si on retrinquait? Ah, on retrinque. Enfin, attendez, on trinque à quoi, là? On trinque à quoi? Oh, ben... Ah, l'amour, au diplôme, au dîner de famille, à la bonne ambiance, hein. Moi, je pensais que ça allait être aux sûr, enfants. Finalement... Ah. Au job retrouvé? Lundi, 8h? On trinque à... À nous? À toi? À moi? À la famille? On trinque à la famille. Au bonheur. Eh ben allez, au sexe et aux putes. Merci mamie. Merci mamie. Merci.
merci, merci à tous. J'espère que vous êtes autant amusés que nous. On s'est vraiment très amusés ce soir. Et n'oubliez pas que tout était improvisé ce soir. On était au courant de rien. Nous avions ce soir beaucoup de monde, énormément de monde. Nous avions Magali. Nous avions Florent. Nous avions Pancho. Nous avions Hugo. Nous avions Ariane. Et nous avions un public exceptionnel. Merci, merci, merci beaucoup à tous. Nous avions à la musique, ne l'oubliez pas. Il nous a fait de nombreux cadeaux ce soir. Guillaume, et pour ambiancer tout ça et mettre une lumière adaptée à l'ambiance du moment, nous avions Julien. Merci Julien. Voilà, merci beaucoup. Et bien sûr, nous avions ce soir un public exceptionnel. Vous pouvez vous applaudir, on vous a donné. Vous nous avez donné beaucoup.